Bonjour à tous les pandas, bienvenue dans ce nouvel épisode de Minecraft Maps saison 1 sur la map, je crois toujours, The Cursed Lab. Donc ça fait longtemps que je suis pas allé sur la map. Aujourd'hui, on reprend, donc je m'excuse hein, des trois premiers épisodes que j'ai pu tourner qui n'étaient pas vraiment très très bons, je dois vous l'avouer. Mais sachez que j'ai appris de mes erreurs, que j'ai appris comment il fallait un peu que je gère cette map. Et on va essayer tout simplement d'avancer quoi, au plus possible qu'on puisse. En plus j'ai installé Optifine, donc j'ai un peu galéré, mais je viens juste de le faire. Et regardez, là fallait qu'on ouvre la porte, il n'y avait rien dans le coffre. Et moi, je vais pas me faire chier. Hein? Comment on fait? Comment? Non? Non! On peut pas. On peut pas. Bon, je voulais faire un bouton. Mais il faut de la stone. Donc on a 8 de cobble qui nous servent à rien. Ok, donc qu'est-ce qu'on va pouvoir faire nous avec ça? Et eh ben, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Donc on va explorer un peu les côtés. Je pensais qu'on aurait pu faire un bouton, mais comme c'est pas de la stone, on ne peut pas. Là, il y avait un joli coffre qui ne servait à rien. Alors là, je suppose que on va rentrer là-dedans. Là, il y a la redstone, mais j'en ai pas, moi, pour activer. De toute façon, là, on peut pas passer par-dessus. Il y a rien dans le coffre. Rien du tout. Là, je suppose qu'il va y avoir un levier, comme dans la première salle, qui va faire que ça active la deuxième émeraude qui est en dessous. Attendez, je vais checker de ce côté-là. Voilà. Donc, comme il n'y a rien, regardez, on va descendre. Et ici, hop, je suppose... Il y a un bruit bizarre. Je suppose qu'il y a quelque chose de caché derrière celle-ci. Donc on va devoir trouver en fait un moyen de fabriquer quelque chose pour passer. On n'a pas de bouton, on n'a rien. Là c'est l'endroit dont on venait. Voilà, c'est les PNJ qui sont là-bas qui font autant de bruit. Oh fuck, faites du bruit les mecs. Et là, on peut même pas passer, quoi. Non, mais... Oh, lol, quoi. 7 time to 0. Oh, il m'a 7 timé mon temps. Donc là, voilà. On était arrivé là-bas. On était remonté. On avait simplement récupéré ce qu'il y avait dans le coffre. Je crois. Voilà. Et ici, on avait pu activer. Est-ce que ça me stresse? Y'a quoi dessous? Non mais ça me stresse parce qu'il y a un bruit en fait. C'est pour ça. Là regardez, là on avait pu y aller. On avait juste à faire ça. Et hop, c'était bon. Donc on l'avait activé dans l'autre sens. Hein, sauf que là, il n'y a pas ce, qui est, ce que j'ai encore envie. Alors ici. Ça c'est une plante, c'est pas un... Non, c'est pas un minecart. Oh, y'a quelque chose là. Il y a quelque chose, mais on ne peut pas voir. Donc je suppose que c'est la sortie. Une fois qu'on a tout libéré. Donc on va devoir fouiller tout. Jusqu'à avoir ce qu'il nous faut. J'ai pas envie de crafter. J'ai pas envie de crafter un four et qu'on se retrouve comme des cons à se dire bah en fait, c'était pas ça. Tu l'as dans le cul, Gertrude. Mais là, ça active quelque chose, ça me stresse. Du coup... Non. Non plus. Est-ce que 8, ça suffit? Non plus. Et des patates, alors? Tu veux des patates? Non plus. Tu veux ma pomme d'or? Non. Il faut juste un poids humain. Donc, ça ne fonctionne pas, on va... devoir savoir vraiment trouver où comment fabriquer un bouton puisque sinon bah en fait on va jamais s'en sortir quoi. Et en plus on entend les PNJ, mais alors mais qu'est-ce qu'ils me font chier Et je pense qu'il doit me manquer quelque chose parce que là c'est pas possible. On peut rien fabriquer à moins qu'avant c'était avec de la cobblestone qu'on pouvait fabriquer le bouton. Ou un truc du genre, et que du coup, bah, hey, on l'a dans le cul, Gertrude. Enfin bon. Là, ce que je peux fabriquer, c'est un four. C'est tout.
Sauf qu'une fois dans le four, eh ben, je pourrais faire quoi? Cuire mes patates, c'est tout. Parce que j'aurais plus assez pour faire chauffer ça, par exemple. Ça, c'est des murets. C'est très utile. Franchement, mangez-en. Des stone slabs, rien à faire. Et on n'a pas de redstone. Donc, on l'a littéralement dans le cul. Là, voilà, j'aimerais bien relier de là à là-bas. Mais j'ai pas de redstone. Donc, on va faire une ellipse. Et on va se retrouver tout de suite. Alors, c'est vrai que je m'étais fait plusieurs fois avoir dans mes différentes séries que j'avais pu faire avant. Je pense que vous avez crisé si vous n'avez pas compris. Moi, j'ai enfin trouvé l'astuce. Regardez. Le four libère de l'énergie. Qu'est-ce qu'on va faire? On avait 7 patates. On en a mangé un peu. On avait 16 à la départ. Mais c'est pas grave. Regardez. On libère de l'énergie. Franchement, voilà. Il faut le savoir. Et du coup, date porte doit s'ouvrir. Allô? Qu'est-ce que tu me fais, toi? Pourquoi la porte s'ouvre pas? Ah oui, peut-être parce que j'ai cliqué là-dessus. Non. Ah, là, il y a un petit bug. Ah, petit bug. Alors là, c'est censé s'ouvrir normalement. Pourtant, on n'a rien cassé. Ah oui, parce que normalement il y avait les 16 de départ dedans. Et du coup, comme on en a mangé pour nous régénérer, et bah voilà. Donc du coup, ce qu'on va pouvoir faire, c'est game mode. Game mode 1. On va simplement se les redonner, puisque du coup on a raté l'astuce. Ça, c'est dommage qu'il n'y ait pas moyen de se rattraper derrière ça. La bouffe. Patate. Patate, où es-tu? Chloé, viens par là. Voilà, 16. On va prendre 2 charbons. Les charbons, par contre, j'ai oublié où ils étaient. Peut-être dans. Non, non, pas dans la redstone. Build, transporting, miscellaneous, material. 2. Et on va pouvoir recommencer. On vire ça. On va casser le four. Et on va reprendre un, carrément. Et il pleut encore. Ils en ont pas marre. Il pleut, il fait que ça sur cette map. Il pleut toutes les 2 secondes. Bon, on va reprendre 8 blocs. Pas 9. 1. Voilà. Hop, on va reposer ça gentiment parce qu'on l'a cassé. Donc on le remet de travers parce qu'on est nul. Et en fait, voilà. Hop. On va passer le game mode sur 0. Alors. Et on va. Yeah! On s'est pas raté sur la commande cette fois-ci. Hop. Mais par contre, ça veut pas s'arrêter. Yeah! Cool! C'est arrêté. Donc, on va essayer de tracer un peu parce que vu qu'on était un peu resté bloqué sur cette map. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre les protos. D'accord, il s'ouvre qu'avec 16 protos. Et voilà! Ah, vous êtes très fort, je vous ai sous-estimé. Dixit le haut-parleur. Du coup, vous pouvez pénétrer dans mon laboratoire. Je vais pénétrer dans ton laboratoire, du moins si vous trouvez l'entrée. Ah, parce que c'est pas là. Oh, les sadiques. Allô, allô, je sais pas si vous me recevez ici. Kratos, j'ai des infos pour vous. Ah, oreillette. Ne vous dégonflez pas, nous avons placé de l'équipement au haut d'un arbre. Tâchez de le récupérer. Vous êtes notre dernière chance d'empêcher ce fou d'éteindre la jungle. D'étendre la jungle. Allez, je suis de tout cœur avec vous. Mais ils sont vraiment sadiques, putain de mat, mon Dieu. Y a rien là. Non, il n'y a rien. Donc du coup, ça remove tous mes items. Tous mes items. Donc là, on va devoir trouver le moyen, en fait, simplement de grimper, d'accéder un peu à un arbre, apparemment.
Du coup, je vais fouiller un peu partout. Et passer encore généralement pour un con. Hein, pour un con. comme j'ai l'habitude de passer. Non, il n'y a rien par là. Donc là, franchement, vous êtes sadique, monsieur les créateurs. Vous êtes sadique. Comment voulez-vous que je trouve un putain de fucking arbre? Ah mais non, ça s'est ouvert. Ah bah qu'est-ce que tu me fais toi? On m'a dit qu'il n'était pas ouvert. Oh le méchant. Eh bah finalement, si, c'est ouvert. Je suis passé devant tout à l'heure, mais j'ai pas dû bien regarder. Mais enfin bon, c'est ouvert et on peut pénétrer cette petite forêt. Bon, par contre, on peut plus courir. Hein? Donc voilà, on l'a dans le cul. Ici. Ah! Coucou toi. Ah, instant heal, oui parce que je risque de bientôt crever. Ah mais. Non, je veux pas aller par là tout de suite. Non, je. Non, 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 non. Je vais pas aller par là tout de suite. Je vais tester de l'autre côté avant parce que c'est un arbre. Très haut. Et je sens que je vais me faire coincer en haut. T'as les pauvres arbres, ils donnent un fruit, quoi. Un fruit, il y a un fruit. Bon, on peut pas. On va pas le prendre. On n'est pas méchant. On ne pique pas à l'arbre le seul fruit qu'il a. Mais du coup, on va aller, bah voilà, là-bas. Et on va voir. Ah oui, d'accord, directement. Ok, ben c'est simple ça. C'est pour ça que ça me fait peur. C'est simple, donc ça me fait peur. Mais enfin bon, on gère pour le moment. Donc on va essayer de gérer jusqu'au encore un petit moment. Un coffre. Bonjour agent 00R, nous avons retrouvé de l'équipement pour vous. Je prends tout ça. Et c'est pas vraiment rassurant. Pourquoi vous me donnez tout ça? Non, 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 non. Je t'assure. Ah, Infinity. Et des potions d'instant heal. Pourquoi je suis pas rassuré? Mais enfin, bon. C'est pas grave, on va y aller quand même. On a l'habitude de mourir, on s'en fout. On meurt, on s'en tape. C'est le but de cette map, de toute façon, de me rendre sali jusqu'au bout. Ah, y a la lave, faut pas tomber. Ah, putain. J'avais dit, faut pas tomber. Du con, on va. Oh non. Oh non, 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 non. Non, 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 non. Absolument pas. Ah ouais, en fait, non, on aurait pu sauter, en fait. Voilà, c'était encore un vieux truc de sadique. Ça, c'est la vieille technique que je connais, mais alors elle date. Bon, on s'en fout d'aller tout en haut, en fait. Y a rien. Ok, bon, on va aller par là. Très bien, il est temps que je vous tue. Quoi? Je vous laisse le temps pour vous préparer pour visiter les labos, ce genre de truc. Non. Flèche. Ah! Ah putain, elle m'a fait flipper ce con! Voilà, tue les PNJ s'il te plaît, parce qu'ils sont un peu lourds. À tête de vous rencontrer, mais encore plus de vous tuer, car vaincre mon petit Withernez, Tooney, est la seule façon d'empêcher la jungle de se répandre. You are fucking salaud. Expérimentation. Oh. Oh oui, on les noie. On les noie. Et là, c'est quoi? C'est la lave? Lave! Merci, Captain Obvious. Ils meurent pas, eux? Là, normalement, quand tu es dans l'eau, tu te noies. Ah, merci. J'ai cru qu'ils étaient. Ils voulaient pas. Donc, du coup, ils crèvent. Voilà. Ici, c'est la porte de sortie vers l'autre côté. Ça, on peut l'ouvrir. On sait jamais. Ok, donc, voilà. Ça, ils sont morts. Aussi. Il nous reste plus qu'à voir ça. Et encore un putain de fucking god. Tempéra. Téléportation imminente. 3, 3, 3, 3, 3. Quoi, 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 quoi? Téléportation au cours. Je suis où? Les émeraudes. On prend les émeraudes. Vite, jeter la Netherheart. D'accord, il va falloir faire ça petit à petit. Oh god!
Il nous faut quoi, la Netherrack? Mais God, elle est où là-dedans? Je vais pas faire toutes les maisons. Attends, surtout qu'ils sont sadiques à poser les coffres derrière des arbres. Alors. Non! Je vais quand même pas devoir fouiller tout là-dedans! Et ça peut pas me redonner de la bouffe. Ah si, ça me redonne de la bouffe. Oh, what? What? C'est quoi ces couleurs? Absorption. C'est quoi ça? Wow, bouge pas toi. Emeraude. Je suppose qu'il va falloir aller. Ouh, me touche pas. Tu m'as pas l'air très gentil. Me touche surtout pas. Je suppose qu'il y a un PNJ qui l'échange. Ça, c'est des flèches, on a rien à foutre. Lui il veut du charbon contre des. On a pas de charbon. Fuck God! Damn it! Oui, alors ils se regardent, c'est bien. Ils proposent tous les deux la même chose. Merci, vous êtes très utiles, les mecs. Bon, à part ça, ils me donnent. Mais alors. Ah, arrêtez d'ouvrir les portes! Vous allez me traumatiser! Ah, il y a plein de PNJ! Arrête de courir, toi! Arrête! Arrête! Oh non! Non. Je vais laisser les portes ouvertes, mais ils vont les fermer, eux. Oh non! Oh Dieu, non, pas ça! Des PNJ dans tous les sens! Non, mais ils vont plus me faire flipper qu'autre chose, c'est con! Donc, ok, donc on va se dépêcher, faut trouver le truc à placer pour se faire téléporter à la fin. Donc, finalement, cette map a vraiment plus de durée de vie que ce que je pensais à la base. Hop, ok, deux émeraudes. Donc, le PNJ qui doit donner la Nether. Enfin, je sais même pas ce que c'est. Parce qu'en fait, j'aimerais pas qu'il nous mène sur cette piste là, alors qu'en fait, non, elle est simplement cachée quelque part. Comme des gros sadiques. Ah! Nope, y a rien du tout dans les cultures. Oui, non, parce que à force de faire des petites maps de temps en temps comme ça, j'ai l'habitude de tomber sur des personnes sadiques. Bon. Je suppose qu'on va devoir faire ça. Bon, bah. Go mourir. Hein. On va manger une pomme quand même avant. Parce que c'est la première fois que je fais le Wither, putain. C'est la première fois. Il est où? T'es là-bas. Tu gagnes de la vie déjà. T'es où? T'es où, salaud? Oh putain, il y a des slimes qui m'attaquent. Ah, il est bloqué. Il est où? Ah! Fuck God! Damn it, shit! T'es où? Putain, mais. Me touche même pas. Putain, mais t'en as pas marre, toi? Lâche-moi la basque! Allez, on se dépêche. Oh, si, en fait, il est plutôt simple. Ah oui, parce qu'il me touche pas. Voilà, c'est ça. Maintenant qu'il me touche, ça va être moins drôle. Ok. Non. Laisse-moi tranquille. Je me barre un peu. Je m'éloigne. Je préférais quand tu étais bloqué. Oh, tu m'as empoisonné, toi. Non. Meurs pas. Laisse-moi tranquille. Fuck damn it, God. T'es où? T'es au-dessus de moi. Allez, descends un peu. Vas-y, viens. Oh oui. Ah, merde. Ma putain. Je sais pas où je vais. C'est ça le problème, il va me tuer, putain.
Fuck God. Ah, on a tout. Cool. Il est où? Il est où? Parce qu'il est en train de tout détruire, donc... T'es où? Il est où? Il est où? Ah, là. Putain, il regagne trop de vie, ce con. Putain, il prend pas de dégâts. Faut l'amener jusqu'à la maison pour qu'on puisse lui faire plus de dégâts en mourant, en fait. Je vois des têtes passer. Donc, voilà, t'es là. On va mourir, on va mourir, on s'en fout. On s'en fout. C'est toi qui crèves à moi, avant moi. Putain, tu regagnes trop de vie, connard. Viens, viens avec moi, il y a la maison, là. Je sais pas quoi, vaut mieux l'attaquer, en fait. Putain, je le vois pas. Faut que je le shoot vite avant qu'il me... Ouh, je t'ai vu passer. Oh, toi. Vas-y, viens. Vas-y, vas-y, vas-y. Pas touché, je suis morti. Vas-y, mais tu voles trop, salaud, va. Salaud. Salaud. Putain, il est reparti là-bas. Il aime bien les PNJ, je crois. Non, recule, recule, recule. Putain, il est long, hein. Oula. Ouh, qu'est-ce que tu fais? Ah oui, là, phase, phase de ça. Ah. Viens, 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 vite. Viens, vite, par là, connard. Viens là, putain. Mais putain, t'es... Ah, viens, viens. Viens, me fais pas sauter, me fais pas sauter. Je veux pas remourir. Je meurs pas. Oui. Tout là dans le cou. Et il pleut encore. Et il y a même une araignée en fait qui spawn l'extérieur du truc. Oh, comme vous savez. Et voilà, regardez. Allez. Merci infiniment, agent 00R. Grâce à vous, le monde est sauvé. Et ça m'a permis d'augmenter la taille de mon bureau. Ah bon? Je vois pas beaucoup. Mais je vous renvoie dans votre maison, merci encore. Non, c'est pas ma maison. Ah, j'ai oublié de vous dire que j'ai totalement détruit votre maison. Non, c'est pas ma maison. Merci d'avoir joué en espérant que cette map vous a plu. Ah bah, grosse surprise, nous venons de finir la map. Donc la map, je le rappelle, créée par Anthony... du 83, Mindark et Minayaka. Donc surtout Anthony qui est passé et qui a laissé un commentaire. Ça m'a fait extrêmement plaisir sur le premier épisode, je crois. Donc voilà, c'était The Cursed Lab. Donc on se retrouve très bientôt pour MM saison 2. Peut-être avec Chloé sur une map à objectif. Ça me ferait extrêmement plaisir. Dites-moi aussi si ça vous ferait plaisir qu'on fasse ça. Je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien les pandas, bye bye. C'était la tech, à très bientôt.